Du pain recyclé. Belle couleur. Franchement, il est top, quoi. Et on va. Ah bah, il est bon. Alors, très très bon. Et ce résultat, on l'obtient avec du pain qui aurait dû partir à la poubelle. Ouais, ouais, c'est ça qui est magique. Normalement, ce sont des pains qui partent à la poubelle. Normalement, mais pas chez moi, en tout cas. Non, non, je jette pas. Ouais. Donc là, on remplit la machine. Ouais, on le remplit. Ah oui, ça va vite. Non, mais c'est impressionnant parce que au départ, on passait que le pain dans cette machine. Ouais. Et au fur et à mesure, avec l'évolution et tout ça, bah, on passe les croissants et tout. Brioche, chocolatine, croissant. Chocolatine. Ouais. Donc même à Boulogne-Billancourt, on dit chocolatine. Ouais. C'est pain au chocolat, je les vends plus cher. Vous avez raison. Et c'est un meilleur ouvrier à France qui le dit. Pas moi. Ouais. Moi, je suis du Sud. Je dis tiens. Ouais, ouais. Voilà. Non. Ok. Donc on les broie. Ouais, on peut le mettre directement. Dans la machine. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt économique pour vous à faire ça, à réutiliser les invendus? Ah ben, carrément. Là-dedans, il y a du beurre, il y a du sucre, il y a déjà des matières premières. Donc forcément, dans les recettes qu'on élabore, on va diminuer ces matières-là. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est ouais. Gagnant pour tout le monde. C'est à la portée de tout le monde de faire ça? Ouais. Mais créer des recettes, c'est bien, mais il faut que ça soit à la portée de tout le monde, mais même à la maison. Ouais. Tu restes du pain de la veille, hop, tu le broies, tu le concasses, et hop, tu fais quelque chose. Il n'y a pas de problème. Voilà, le phénix. Le phénix, ouais, c'est le nom que vous lui avez donné. Ouais, c'est le nom. Ouais, le pain qui renaît de ses cendres. Tout à fait. Le phénix est prêt à partir au four, alors. Par contre, je l'ouvre pour qu'il puisse respirer, que les gâtés s'échappent. Donc, j'ouvre. Allez, on ouvre. En longueur, hein? Ouais. Si c'est bien, c'est moi. Si c'est pas bien, c'est toi. On est d'accord. Mais ce sera vendu le même prix. Ouais, donc il voilà. Y a des clients qui auront de la chance, d'autres pas de bol. Voilà. Et je l'ouvre comme ça, comme juste ça. Comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, on les met au four. Ils sont magnifiques. Et voilà. Magnifique. Le phénix. Du pain recyclé. Belle couleur. Franchement, il est top, quoi. Et on va. Ah bah, il est bon. Très, très bon.